Là-bas, il y a un oiseau, là, le héron, c'est un indicateur qu'il y a des poissons là. Et la pêche au Djarifa, il faut un Djarifa déjà de 6 mètres de long. Il faut un seau ou bien un corbeille. Quand on attrape les poissons, on les met dans une quelque chose. La pêche au Djarifa, c'est une pêche réservée aux femmes. Je les pratique depuis toute petite. Ma maman m'a amenée à la pêche. On veut se retrouver entre nous. Il y a d'autres pêches. Eux, ils peuvent aller pêcher à la ligne. Nous, on peut aller pêcher avec eux les bigorneaux. Des fois, on y va le soir. On a besoin d'un homme. Mais la pêche au Djarifa, on a besoin des hommes. Si on fait une pêche miraculeuse, juste pour amener le poisson. C'est un patrimoine qu'on a reçu de nos aînés, qu'on perpétue, et qui nous donne vraiment un bonheur. Quand on le fait, on se sent bien. On ne pense à rien. On oublie tout. Et on est entre nous, entre les filles. Il y a des choses que voilà, tu ne peux pas les dire à n'importe qui. Et quand tu es en confiance avec ton groupe et vous faites confiance et tout, là, vous pouvez vous dire tout ce que vous voulez. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose de se retrouver.